Bonjour à tous, c'est Ludy de Créabilou, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, je suis un petit peu fatiguée, je suis un petit peu malade, donc je ne suis pas maquillée, pardonnez-moi. Bon, ça arrivera de temps en temps, mais avec les allergies et que je suis un petit peu malade, voilà, j'avais pas très envie ce matin de me maquiller. Donc, mais bon, voilà, je suis au naturel, hein, de temps en temps, vous me verrez comme ça, on va pas toujours être au top de nos formes. Je voulais aussi juste faire une petite parenthèse pour vous remercier, mes abonnés. Voilà, ma chaîne a 2 mois, donc elle est très récente. Je n'ai pas énormément d'abonnés, mais pour moi, c'est pas grave, c'est pas un problème du tout. Le peu que j'ai me satisfait. J'espère vraiment que ce que je vous montre vous plaît. Même si vous commentez pas toujours, j'ai toujours des gens quand même qui commentent et ça me fait énormément plaisir. J'ai des remarques constructives en règle générale. Donc voilà, donc je voulais juste vous remercier. J'espère que ce que je vous montre vous plaît et donc que vous continuerez à me suivre comme ça, même si vous n'êtes pas toujours fidèle au poste. Voilà, chacun fait comme il le peut et comme il le souhaite et comme surtout comme il en a envie. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse juste pour vous remercier à vous et à mes abonnés. J'espère que vous continuerez quand même à me suivre. Et donc sinon, je venais pour un haul La Farfouille, donc qui n'était pas du tout prévu parce que voilà, j'avais pas forcément besoin d'y aller au début. Mais en fait, il s'est avéré que le dimanche matin, bon bah c'est ouvert. Enfin le dimanche toute la journée, même La Farfouille c'est ouvert. Et donc du coup, on est allé faire de courses du coup bah j'ai fait un petit craquage. Bon, petit craquage parce que bon, La Farfouille, c'est quand même pas le même prix qu'Action. Je vais vous dire pourquoi. Donc on va commencer pour ce qui n'est pas scrap. Voilà. Donc alors on a acheté une moustiquaire. Voilà, une moustiquaire de porte. Hein, donc elle fait ces 2 panneaux de 50 par 210. Centimètres avec les punaises. En fait, on en a déjà une dans notre porte-fenêtre. En fait, elle est un peu plus jolie parce que il y a de la dentelle noire là sur le côté. Je crois qu'on avait pris de souvenir, il me semble, à Leroy Merlin, mais non, pas Leroy Merlin, Monsieur Bricolage, il me semble. Mais bon, elle est abîmée maintenant. Elle se ferme plus sur les côtés. Les aimants ne fonctionnent plus. Donc, il est temps de la changer. Et puis bon, on est tombé dessus à La Farfouille. Alors, elle est certes un petit peu moins jolie, mais bon, elle fera l'affaire. Hein, elle fera son job de toute manière. Donc voilà. Et donc cette moustiquaire, on l'a payée 6,99 €. Je pense qu'elle était plus chère à Monsieur Bricolage l'autre, hein, mais bon, elle était un peu plus jolie. J'aimais bien l'effet dentelle noire dessus, mais bon, hein, c'est pas grave, ça servira quand même de moustiquaire. Ensuite, on a acheté pour ce qui n'est pas scrap, voilà, des brodeaux, hein, vous savez tout ce que c'est. Hein, donc, c'est à 2,49 €. On en a acheté deux, donc c'est pour manger dehors. Hein, quand on mange dehors, plus pratique d'avoir des pichets d'eau en plastique. Sur la terrasse, c'est bien plus pratique. Donc c'était 2,49 €, on en a acheté deux. Alors, ce qui n'est pas scrap. Alors, il y a quelque temps, avec Monsieur Crabilou, on s'était dit qu'il fallait qu'on achète une machine à coudre. Alors, on ne sait pas coudre pour le fin mot d'affaire. On ne sait pas du tout comment s'en sert. Mais il est vrai que pour faire 2-3 coutures et rouler de jeans et tout ça, c'est pas trop mal. Bon, après, on voulait pas investir dans une grosse machine à coudre, en attendant qu'on sait pas du tout s'en servir. Alors je dis avec on parce que la couture à la maison, c'est Monsieur Créabilou. Hein. Enfin, je sais la faire, je la fais, il n'y a pas de souci. Mais autant j'ai beaucoup de patience pour le papier, pour mes loisirs créatifs. Ça, j'en ai un petit peu moins quand même. Et puis lui, j'ai l'impression que ça lui plaît un peu. Donc voilà, on a trouvé un compromis. Enfin bref. Je m'étais dit, ça serait bien quand même qu'on achète une machine à coudre un jour ou l'autre. Voilà. Et puis, Monsieur Crabilou a donc acheté des jeans vendredi soir. Et il fallait que je lui fasse des ourlets. Alors, les ourlets jeans à l'aiguille, ça se fait, hein, je les ai fait hein, pendant longtemps. Mais voilà. Donc, on a dit, ça serait bien qu'on trouve une machine à coudre.
Maintenant, on voulait pas mettre des milliers d'essence dans une machine à coudre, donc on est allé le dimanche matin chez nous. C'est ouvert, Intermarché, supermarché. On s'est dit, bon, ils vendent des cafetières, ils vont peut-être trouver une machine à coudre. On va aller voir ce qu'on trouve. Et en fait, on n'a rien trouvé. On a même fait le Auchan, qui est à peu près de chez moi. Bon, c'est un petit Auchan, mais on n'a pas trouvé non plus. Il y avait des cafetières, il y avait tout ce qu'il y avait, il n'y avait pas de trucs. Bon. Du coup, on s'est retrouvé à la farfouille pour d'autres choses. On voulait acheter des trucs. Et donc, on demande à la vendeuse, enfin, Monsieur Crabulou demande à la vendeuse si elle avait des machines à coudre. Et ben, elle me dit, non, non, on n'a pas, on fait pas et tout. Puis bon, bref, on passe temps, tant pis. Bon, ben, on est bon pour faire la couture à la main, hein, encore une fois. Bref. Et au fur et à mesure qu'on avance dans les rayons, et Monsieur Crabelot vient me voir et puis il me dit, bah, j'ai trouvé une machine à coudre. Je dis, ah bon, mais la vendeuse, elle a dit qu'elle n'avait pas. Elle me dit, bah ouais, bah apparemment, elle doit pas trop connaître son rayonnage puisque j'en ai trouvé. Et il y en avait même trois dans le stock au rayon, justement, fil, aiguille et tout ça. Donc, elles étaient au-dessus. Il y en avait trois. Donc, en fait, c'est une mini machine à coudre. Voilà, qui se présente comme ça. Je vais vous la montrer. Voilà. Hop. Alors, les couturières de métier elles vont bien rire, hein, mais bon. Voilà, donc c'est une petite machine à coudre qui est assez légère, pas trop lourde. Voilà. Et cette machine à coudre, on l'a payée 59,99 €. Voilà. Bon, je vous cache pas qu'on a quand même galéré parce que ceux qui n'ont pas l'habitude de coudre, ben voilà quoi. Déjà pour comprendre le fonctionnement, merci YouTube, merci à toutes celles qui font des tutos sur YouTube. Donc on a galéré pratiquement toute une après-midi à essayer de faire fonctionner. On comprenait pas. On a pété trois aiguilles. Voilà, des fois ça cousait, des fois ça cousait pas, on savait pas pourquoi, mais on a quand même fini par faire quand même les ourlets d'un jean, hein, sur les deux, parce que voilà. Mais on a quand même réussi à s'en servir, à comprendre le fonctionnement. Et puis bah écoutez, elle va faire l'affaire pour ce qu'on a besoin de faire pour l'instant en tout cas. Et puis sait-on jamais, si vraiment je me découvre une passion là-dessus. Bah écoutez, on verra bien. Alors justement, en parlant de couture, je l'ai acheté aussi parce que j'avais un projet de faire, enfin pas que, mais du coup j'ai profité pour faire un coussin antistatique. Donc vous savez, pour l'embossage à chaud, j'ai vu sur plein de filles qui avaient des coussins antistatiques avec du talc à l'intérieur. Donc je me suis dit, bon ben pour m'entraîner sur les points, je vais tenter de faire ça. Mais bon, vous me direz ce qu'il en est, parce que le problème, c'est que je l'ai fait, mon petit coussin antistatique. Je vous le montre et je l'ai mis dans une petite boîte. Parce que alors voilà les coutures. Hein, les coutures, elles sont bien à l'intérieur et tout. Bon, il n'y a que pour là, hein, que j'ai fait par le dessus, parce que je ne voyais pas trop comment faire avec la machine sans renverser du talc de partout, parce que j'ai tenté, mais... Et en fait, voilà, mon souci, c'est que le talc, eh ben, il passe vachement à travers le tissu. Alors, est-ce que j'ai pris du bon tissu? Alors, j'ai pris une chute de coton, hein. C'était un caleçon à ma fille que j'avais coupé. Voilà, donc c'est du coton. Est-ce qu'il est trop fin? Est-ce que celles qui ont l'habitude, ben, dites-le-moi, mais je trouve que il perd quand même beaucoup de talc. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est bon ou si c'est pas bon. Celles qui ont l'habitude et qui l'ont et qui en ont fait, ben, si vous passez par là, dites-moi. Je pense que quand même je vais en refaire un, parce que, avec un autre papier, parce que là je pense pas que ce soit bien pratique que ça perde autant de talc. Voilà, donc j'ai rempli du talc dedans et puis normalement c'est censé enlever toute la poussière et tout ça antistatique avant de faire l'embossage. Donc n'hésitez pas à me donner un retour si vous pouvez, si vous passez par là, j'aimerais bien savoir. Voilà, moi je. Voilà, j'ai pris le premier tissu que j'ai trouvé pour m'exercer aussi dans la couture et j'en ai profité du coup pour y mettre du talc dedans, mais je trouve que ça perd beaucoup. Ouais, traître de plaisanterie, on passe à autre chose. Donc je continue mon haul. Donc la farfouille. Donc qu'est-ce que j'ai acheté? J'arrête de dire donc, hein, parce que non. Alors j'ai acheté des petites perles de couleur, voilà, avec des lettres, hein, que j'ai payé 3,29 €, enfin 3,29 €.
Voilà, donc c'est un petit sachet. Il y en a, je sais pas s'ils le disent combien on a. Il y en a 40 grammes et 8 couleurs assorties. Voilà, ces petites perles rondes avec des lettres de couleur. Donc ça, j'ai pris des petites fioles en verre. Donc il y en a 6. Voilà, et je les ai payées 2,29€ les 6, des petites fioles en verre. Voilà, pour faire mes porte-clés, voilà. Pour mettre dans les créas, tout ça, c'est très joli. Voilà, pour aller donc avec, j'ai acheté, et pour faire aussi les shaker cards, j'ai acheté des petites fioles en verre toujours un peu plus grosses, mais avec des paillettes dedans. Donc ça, c'est pour faire les shaker cards et autres. Et puis, dans tous les cas, je pourrais me resservir des fioles quand tout ça sera vide. Donc, je trouve ça pratique. Et ça, donc, j'ai payé 2,49€ les 8. Voilà, donc il y a plusieurs... Il y a plusieurs... Alors, on ne les voit pas très bien parce que, voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir... Voilà. Mais bon, il y a plusieurs formes, c'est des petits ronds, des petites paillettes, toutes les couleurs, voilà. Ensuite, j'ai acheté deux bagues, voilà, deux supports de bagues en fait, 2,49€. En fait, j'en avais acheté des supports de bagues à Cultura pour me faire des bagues en fait, des petites breloques, hein. Donc j'ai mis un petit strass, ceux qui l'ont vu sur Instagram, j'ai mis une petite vidéo. On le voit pas très bien malheureusement, mais voilà, elle est quand même beaucoup plus fine celle de Cultura. Enfin, l'anneau est plus fine, elle se serre, hein. Donc voilà, donc au doigt. Voilà, hop, je vais essayer de vous montrer. Donc et celles-là, elles sont légèrement un peu plus larges. Vous voyez, ça fait un petit peu plus large. Voilà. Donc, les deux, je les ai pris 2,49€. Alors, je ne sais plus combien je les ai payés à Cultura, je ne me rappelle plus. Je ne peux pas vous dire. Ensuite, j'ai acheté des plumes blanches. Alors, c'est rare de tomber sur des plumes blanches, c'est pour ça que je les ai pris. Il y a 50 pièces. Elles font à peu près 10 cm. Je ne les ai pas comptées, hein, pour vous dire la vérité. Mais, et elles étaient à 2,29€. Donc des perles, alors c'est des plumes un petit peu nacrées, blanches nacrées, elles sont très jolies et c'est très rare. Moi j'en ai des plumes, mais plus des plumes plus un peu plus flashy au niveau des couleurs. Et là j'ai trouvé blanche très jolie. Donc il y a celle-là. Et pareil, j'ai pris des couleurs pastel. Donc il y a quelques-unes de blanches dedans. Et après il y a du vert, du bleu turquoise, du violet, du rose, mais vraiment très très. Très fin, donc elle a 50 aussi, de taille de 10 cm, elle est un peu moins chère, celle-là 1,29€. Donc bon, les blanches sont plus chères. Voilà, parce que je pense qu'elles sont un peu plus rares et j'ai trouvé jolie et couleur pastel. Voilà, et pour finir, parce que j'ai encore autre chose. Et donc j'ai acheté aussi du papier de soie. Donc le papier de soie, parce que j'ai un envoi à faire. Et voilà, je voulais du papier de soie qui est assorti avec ce que je vais envoyer, que vous verrez dans une vidéo un peu plus tard. Donc c'est 3 feuilles de papier de soie, coloris blanc, format 50 par 66 cm. Voilà, c'est du papier de soie. Hein. Alors, j'en ai jamais trouvé moi à Action, je ne sais pas s'ils en font, j'en ai jamais vu. Là c'est 1,29€ les 3 feuilles. Alors je ne sais pas si c'est cher, pas cher, je ne peux pas vous dire. Là c'est que je suis tombée dessus et que j'ai un envoi à faire, donc voilà, j'ai profité. Mais par contre ça serait bien qu'ils en fassent à Action des papiers de soie, parce que je trouve que c'est pratique. Et donc j'avais pris 2, voilà. Et qu'est-ce que j'ai acheté, et j'ai acheté, du coup je suis tombée sur un paquet de feutrines, voilà. Alors ils sont moins chers à Action, moi il y en a un petit peu moins. Là il y a combien de feuilles, je sais plus, je vais vous dire ça, il y a 10 feuilles de format 20 par 30 avec des couleurs assorties, il y a plusieurs couleurs, hein. Voilà, et c'est 3,29€. Or il me semble, bon, il y en a un peu moins à Action, je sais pas combien, ce que je peux vous dire, comment est-ce que je vais trouver. Non, j'ai enlevé le paquet la dernière fois. Non, j'ai fini le paquet, donc je peux pas vous le dire. Je sais pas combien il y en a sur celui d'Action. Il y a peut-être pas 10, hein. Je pense pas qu'il y en ait 10, le paquet n'est pas si épais.
En tout cas, là, ça fait 3,29 € et il y a 10 coloris. Voilà, donc c'était pour recharger un peu tri, pour faire mes porte-clés. Et donc là, j'ai trouvé aussi du papier 15 par 30. Donc j'avais pris deux. Celui-là, c'est du vintage rose. 1,99 €, hein, c'est marqué dessus. Vintage rose, et il est très beau. Enfin, il est vraiment. Il est couleur pastel rose et vert. Voilà, donc j'avais pris deux comme ça parce que vraiment, voilà, il m'a plu. Il y a des petits cœurs kaki comme ça, ils sont très jolis. Il y a de la fleur. Voilà. Celui-là, il est un petit peu léger aquarellé, mais on le voit pas très bien. Ah, le carreau, moi, j'adore. Carreau rose comme ça, je trouve très joli. Il y a celui-là qui fait un petit peu matelassé. Je sais pas comment on dit, mais voilà. Donc j'en ai pris deux comme ça, deux vintage rose. Et dans la même collection, il y avait le vintage garden. Alors celui-là, il est plus dans les tons pastel aussi, mais il est plus dans les tons vert un peu kaki et beige. Et il est très beau aussi. Voilà. Hop. Pardon. Voilà. Celui-là, il est très beau. Celui-là est vraiment beau, il est d'un vert d'eau. Ouais, j'aime bien. Il est très simple, mais bon, il y a du bois. Il y a des petits feuillages. Un peu vert kaki. Enfin, léger le kaki. Voilà. Il y a des fleurs. Voilà. Voilà, donc ça, je l'ai trouvé à la Farfouille. Donc, voilà pour ce haul la Farfouille avec quelques blabla. Merci d'avoir suivi encore cette vidéo. Donc, je remercie encore à nouveau mes abonnés. Merci beaucoup d'être là. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt !